45, nous vient Saint-Laurent. La course de caisse à savon, toujours à Toulouse sur la chaîne L'Équipe. Dans un instant, c'est nous, Johan et moi, qui allons dévaler cette piste avec notre caisse à savon. C'est la première fois qu'on participe à une course, Johan. On pourra dire maintenant qu'on l'a fait, on pourra dire qu'on sait de quoi on parle vraiment. Et oui, il y a les marathoniens et puis il y a les coureurs de caisse à savon. Et vraiment, un coureur de caisse à savon qui arrive au bout d'une descente, c'est un héros, également comme les marathoniens. Et voici les amis pirates qui se présentent en haut. Et dans la vie, souvent, on rencontre des ponces pirates. Et là, on voit vraiment ce radeau, hein. Le radeau qui va méduser, qui va nous méduser. Peut-être. En tout cas, on espère les voir arriver à bon port, les pirates. J'espère que ça ne sera pas rideau sur ce radeau. Ah là là, ça y est, je suis concentré, Florian. J'ai du mal à commenter là, parce que dans quelques minutes, on va descendre dans la caisse. Et j'ai peur, Florian. J'aurais pas envie d'être ridicule. Ça va bien. Mais on va tout donner, Florian. Déjà, il faut qu'on termine. Il faut qu'on termine. Oui. L'objectif, c'est d'aller au bout. Et je sais que t'es un homme bien, t'es un mec bien, et t'es fait pour les caisses à savon. Et tu vas être extraordinaire et tu vas nous épater. Et ça va évidemment l'épater, les pâtes à la panzani. Bah, j'ai vu qu'à l'avant de cette caisse à savon, il y a un homard. J'espère que ce sera pas Omar Mathieu et qui vont passer tous les obstacles. Et attention, oh là là, oh là 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 là, oui, ça passe évidemment les crustacés. C'est un bon repas de fruits de mer évidemment. Et regardez-moi ce petit homard avec les petits tonneaux. Et le crocodile, hein, comme dans Peter Pan avec le capitaine Crochet. Est-ce qu'ils vont faire un crochet vers la sortie? C'est un hymne à la joie avec les crocos. Un crocodile, oh non, oh là là, oh j'ai peur, ouais, ça a touché, oh la ça a roue, touché. La roue a balingué, la roue a souffert là. L'avant a failli exploser. Oh là 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 là, mais l'équipage qui arrive à bon port, attention le virage en quelques instants, maintenant ce virage qui a fait tant de mal. Attends l'équipage, attention l'abordage, et ça passe, extraordinaire, Robinson Crusoe. Mais on n'est pas seul, on n'est jamais seul dans la caisse à savon. On trouve chacun son vendredi, évidemment. Exactement. C'est du lundi au dimanche, les caisses à savon. Et pas seulement le vendredi. Et dans la bonne humeur, ils arrivent, c'est la tête de bord de rire. Ah, voilà. C'est beau. Et regardez-moi ce rafio. Ça en fait du rafu, ce rafio. Mais le rafio prêche pour le vrai. Et là, regardez-moi ça, à travers les mers, à travers la houle, à travers les difficultés. Ils ont croisé des cargos, mais les cargos les ont salués d'ailleurs en faisant pshou, pshou. Faites bien le cargo. Oui, je remercie tout le monde, tous ceux qui nous ont aidés sur ce projet. Et c'est super, super aventure. Merci à tous, merci à toute l'équipe. Et bien, et vive le Rumble. Voilà, les pirates sont en bas. Attention, c'est la dernière ligne droite, messieurs. Vous voyez, on est vraiment dans la queue des véhicules qui vont s'élancer. On commence un petit peu à stresser et je les vois justement, ils sont là, nos pilotes chevronnés. Je vais aller voir les derniers préparatifs, comment est-ce qu'ils le vivent. Est-ce qu'on est un petit peu tendu là-dedans, Johan? Je suis très stressé parce que la pente, elle est terrible. Et donc, j'ai peur, il y a plein d'obstacles, mais Florian va être le conducteur et il va être extraordinaire. C'est hyper stressant d'être dans la queue, d'attendre son tour, de voir les gens passer les uns après les autres. Et c'est horrible, j'ai l'impression que je vais passer le bac, mais que j'ai pas révisé. Bon, alors on a un conseil pour vous parce que Luc Alphand, il a dit, il faut pas freiner. C'est toi qui freines. Mais oui, mais il y connaît quoi, Luc Alphand? Il y a pas de neige ici. Il y a un petit peu de pilote, là. Oui, bon, bah, on va pas freiner jusqu'au moment où on va freiner, quoi. Parce que le but, on veut arriver au bout avec Johan. Non, moi, je veux pas arriver au bout. Je veux qu'on aille dans le champ à côté. Non, bah, Johan, ne regarde pas les gens. Tu fais pas coucou. Là, il faut rester concentré. Ah, non, moi, je veux dire bonjour. Ça va être le festival à Calanou. Il va faire du poète-poète, mais le poète-poète, il part. Regardez, mais écoutez, on va vous laisser vous concentrer parce que là, je pense que ça part dans tous les sens. On va un petit peu aller du côté de la ligne de départ parce que je vous rappelle qu'on va les suivre. Il y a un énorme jury qui va les juger tout à l'heure. La famille Entamac, Big Flo et Oli, Luc Alphand, encore une fois, Sébastien Ogier, Cyril Després. On commence à stresser à quelques minutes de leur course. Merci France, évidemment. On est prêt. On est prêt. On est dans les starting blocks. Ah bah on est bien. Dans les starting blocks. Donc Johan, je tourne, je freine, tu peux te poète. Ça va être génial, okay. J'ai vraiment hâte. Et ça va encore nous souder. On vit une aventure extraordinaire avec génial. Ce programme. On est depuis heureux. Quelques mois, on salue Laurent Imbert qui est dans notre oreillette, qui organise tout, qui fait tous ces montages extraordinaires, qui trouve les meilleures courses au monde. On remercie Pierre Portelance, évidemment. Extraordinaire et puis, Pépé. Et on remercie surtout vous qui nous regardez, toujours plus nombreux sur la chaîne L'Équipe. Évidemment. C'est votre succès aussi à vous. C'est une, comment dire, c'est une chenille. C'est un travail à la chienne humaine, évidemment, et chaleureuse et généreuse. Alors la famille Adams qui va dévaler la pente à Toulouse. Et là on a, en tout cas nous on transpire, je transpire beaucoup en tout cas. Et en plus je suis un petit peu cintré dans mon maillot là, j'ai trop grossi, j'ai pris trop de pain au chocolat. Et du coup je serre aussi les fesses, on est un petit peu à l'étroit, mais ça va aller. Allez, la famille Adams. Et là c'est, oh, j'y crois pas, parce qu'en général quand les pieds sont devant, ah non, en fait c'est un subterfuge. On croit que les pieds sont devant mais pas du tout. Et là attention. Une caisse à savon en forme de cercueil. J'espère que Nicolas avec nous. Ce sera pas un mauvais pas. Non, ils ont bien sauté. Non, tire pas la tête par terre.
une tête à queue. La réception, ils sont partis. Ils sont sortis trop vite de la vague. Ah non, j'aime pas les funérailles, j'aime pas les adieux, j'aime pas les au revoir. Qu'est-ce que t'en penses en voyant les images? Non, ça va pas, ça va pas. Du 36e ciel. On va les remettre droit, ça devrait repartir. Mais là, la roue, elle est. C'est la roue. Elle a pris un choc. Sur la famille Adams, même si c'est pas droit, ça avance quand même. Donc. Là, c'est la famine Adams, c'est la misère Adams. C'est ça. Et regardez-moi ses pieds là. Ça me rappelle d'ailleurs une scène extraordinaire évidemment de Toujours Pareil, la 7ème compagnie, tu sais, le deuxième épisode où ils sont évidemment il y a le mort derrière qui veut s'en aller, qui va glisser. Et ils ont du mal évidemment avec. Vous vous rappelez Pierre Tornade? C'était Pierre Tornade, Jean Lefebvre. Pierre Mondi. C'était. Puis il y avait pas du Aldo Machone évidemment, il y avait du Aldo Machone. Aldo qui est là évidemment. Alors, est-ce qu'ils vont repartir ou pas la famille Adams? J'ai l'impression que c'est mort pour la famille Adams. C'est vraiment habite déchet. La guerre des étoiles. Il y a toujours une caisse à savon Star Wars, c'est la base des rebelles à roulette avec Dark Vador. Et soit rebelle et tais-toi. Et la princesse Leia est barbue, c'est une princesse là, Leia transgenre, c'est une Yelle. Et là, c'est une masque d'Argor. Et c'est une masque Vador, Fagor, tais-toi yo-yo. Et le X-Wing, le vaisseau de Luke Skywalker avec lequel il s'attaque à l'étoile noire dans la guerre des étoiles. C'est tellement extraordinaire par rapport à toutes ces sagas. Franchement, tu devrais faire un livre, une série là-dessus. Premier film que j'ai vu au cinéma. C'est lequel? 77, c'est Star Wars. Tu n'es pas né encore, t'es allé au cinéma avant que je sois. J'avais 9 ans, oui. Incroyable. Donc tu es de 68 alors. Et voilà. Ah, c'est vrai, là, disons l'écart. Allez, ça ne se voit pas. Dark Vador qui va donner la force à cette caisse à savon. Allez, 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 que la force soit en eux. Oh là là, oh ça part bien, mais attention là, devant la roue est assez fine. Attention, il y a même les ailes qui transpercent la paille. X-Wing, ouais, ils se prennent de la paille, hein. C'est le retour du jet de foin. La vague. Attention, est-ce que la roue avant va tenir? La roue avant va-t-elle tenir? Ça ne passe pas. Ils sont coués au sol. Et il y a des rires, regardez, il y a même des spectateurs qui arrivent, des gens de l'organisation évidemment qui ne vont pas les laisser tout seuls comme ça dans le milieu de la piste. Ils sont dans les Chewbacca. Qu'est-ce qui s'est passé? Luc. Terrible. Chewbacca. Donc vous l'avez réparé dans la nuit. Et peut-être pas. Effectivement, il y a un petit problème de conception. Il ne restait plus que quelques mètres Yoda avant d'arriver, mais ils ne les ont pas franchis. Et voilà, il décolle. Le retour du Jedi, évidemment. C'est ce qu'on dit dans les repas de famille. Hein. Le retour du Jedi. 20 secondes de chorégraphie. Ah là, la moutarde montonnée. On est encore sur de la saucisse. Ah, les cassoulettes. Ah, j'adore le cassoulet. Ah, regardez, de la bonne barbaque, de la bonne viande. J'espère qu'ils vont pas se viander, évidemment. Ah, en tout cas, avec autant de cassoulets, ils vont forcément partir à plein gaz. Et peut-être péter un record. On va voir le temps. Nous, on est pétés du casque, en tout cas. Vous rappelez de péter Sloan? Quel Peter Sloan. Besoin de rien, envie de toi. Oh là 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 là. Comme j'avais envie de personne. Besoin de rien, envie pressante de déballer. C'est à nous bientôt, Florian. Ça va être extraordinaire. Merci à la chaîne L'Équipe de nous offrir cette grande opportunité dans notre vie. C'est un cadeau de la vie, on le prend comme ça. Allez, le cassoulet. Mais je chante et je danse un petit peu avant de partir pour refuser la peur. C'est bien, Yoann. Freed from desire. La vague est passée. C'est une soirée de gala, c'est une journée de gala ici à Toulouse. Le cassoulet. Je m'échauffe. Je fais des étirements évidemment. Je me sens mes pieds ou pas? Je sens mes pieds, regarde. Ouais. Apparemment, ils ont quelques casseroles. Occulte. Allez. Ça poêle, tout ça poêle avec nos casseroles évidemment. Bon, les filles, vous êtes le dernier équipage. Et là, ces roues sont vraiment très étonnantes. Mais ça arrive pour l'instant. Ouh, ça passe. J'ai eu peur pour les roues avant. Oh là 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 là, c'est une belle fin en tout cas. L'équipage de la course Red Bull Caisse à Savon. Il n'y a jamais de fin, FIM. Ça flageole, ça flageole, mais ça tient. Quoi qu'il arrive, j'ai l'estomac un petit peu là avec la peur et avec le cassoulet. Oh là là, parce qu'en fait, on va vous dire tout la vérité. Il y a quelques heures là, en arrivant à Toulouse, on a mangé du cassoulet. Ouais. Et là, ça commence à flatuler. Bah, ça peut nous donner un peu de vitesse. Ouais, slim et flatulence. Ça sera plutôt même slim et flatulence. Allez, c'est bientôt à nous, Florian, ça y est, on se prépare, ouais. Florian, allez, ça va bien se passer, Florian, t'inquiète pas. J'y vais, mais j'ai peur. J'ai peur. Mais c'est à nous de montrer qu'on peut être grand. C'est notre fort Boyard à nous. On représente les couleurs de la chaîne. Allez,
Bientôt c'est nous, Yohan. On s'est mis sur c'est la chaîne 31. Vous êtes avec nous en bas. On va s'accorder une petite pause. Je voudrais juste vérifier quelque chose de super important, messieurs, c'est la paille, parce qu'à mon avis, vous risquez de la voir de près. Elle est moelleuse, elle est un petit peu... Elle pique un peu, Bonne chance, hein. Après la pub, on verra si vous y aurez droit ou pas. J'ai un Toulouse ici. Flo Gazan, ils sont au départ, je les vois, ils sont tout là-haut, ils sont déguisés, équipés, motivés comme jamais. Le bolide de la chaîne L'Équipe va s'élancer dans un instant. Ils vont avoir besoin d'un petit peu de soutien. Est-ce que vous pensez qu'ils vont arriver au bout, Yo et Flo? Allez Allez, Yo et Flo, hein. On compte sur vous, allez Flo Gazan, viens avec moi. Tu as emprunté pendant quelques instants la combinaison de ski de Luc Alphand. À quoi t'attends-tu pour cette descente, Florian? Ah, une catastrophe, mais on va essayer de la gérer au mieux. Nous, c'est Big Flo et Ramoli, c'est le nouveau duo des caisses à savon. Écoute, on est hyper content d'être là parce qu'on les commente sur la chaîne. Alors, généralement, on dit les mecs qui jouent pas au foot, ouais, vous commentez le foot, vous savez pas jouer au foot. Bah, nous, on commente les caisses à savon, on en a jamais fait. Donc maintenant, on pourra dire, on l'a fait. Bonne descente, Florian. Johan, un mot pour le public de Toulouse. Bah, merci à vous d'être aussi nombreux, c'est absolument extraordinaire. Plus de 10 000 supporters, spectateurs, vous êtes fantastiques. On va essayer de vous faire plaisir. Et bien maintenant, vous allez déjà commencer par nous faire plaisir avec la chorégraphie de la chaîne L'Équipe. Attention pour la danse. Et c'est terminé pour les 20 secondes de danse. Attention pour... on va mettre 40 points parce qu'on est comme ça. Juste comme ça, Toulouse. Et si vous avez aimé au niveau des notes, Toulouse, applaudissements s'il vous plaît. Ok, ça fait 40 points. Flo et Florian et Johan, les deux cloches ont retenti. Et attention, Johan, Ryu, Florian Gazan, la chaîne L'Équipe. Attention, c'est quand vous voulez, avec vos pousseurs. Et Toulouse, s'il te plaît, ton énergie pour la chaîne L'Équipe. Caisse à savon hors compétition. On aura juste le plaisir de les voir descendre la piste de 530 mètres. Avec... c'est bien aussi de voir l'envers du décor, c'est-à-dire qu'on regarde la télé de face, mais on ne savait pas qu'une télé, derrière la télé, il y avait ça en fait. Il n'y a pas trop d'électronique dans une télé en fait. Florian Gazan et Johan Ryu, vous retrouvez très régulièrement dans L'Équipe du soir notamment. À partir de 22h tous les soirs sur la chaîne L'Équipe. Et ben le premier jump est passé, ça fait plutôt plaisir. Johan qui prend le temps de saluer son public. Florian Gazan, Johan Ryu qui nous font l'amitié d'être là aujourd'hui. On est à 1 minute 5 secondes, la chaîne L'Équipe qui se fait applaudir par le public toulousain ici sur le site de Pêche David. C'est le seul pilote, Johan Ryu, qui arrive à négocier un virage avec une seule main. Attention, le dernier jump, les poteaux de rugby, petite dédicace au stade toulousain, ça passe pour la chaîne L'Équipe. Flo, les copains, là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que vous avez fichu? Vous étiez si bien tout au long de la course, comment rater la fin de course? On a raté quoi? Non, c'est arrivé. Mais on a fait exprès, les casses à savon, on les casse. J'ai fait exprès de le prendre. Voilà. Enfin, il aurait été extraordinaire parce que je sais pas comment il a fait, mais tout en douceur, il a quand même cassé. Il a été extraordinaire, je t'embrasse, Flo, t'as été fort. Qui a eu peur, qui a eu mal? Il y a des blessés ou pas? Ouais, à la, sur la rivière, un petit bleu, bon voilà. Ça va, on va le faire un petit peu. Est-ce que vous avez entendu le public ou pas du tout? C'est incroyable.
Le public est en folie. Vous les avez entendus? Vous étiez dans votre bulle? Ah non, non, parce qu'en fait, j'avais vraiment très, très peur. Vraiment, j'ai très, très peur. Et heureusement que c'est Florian qui a conduit. Je l'hyperventilais. Parce que mais c'est un stress, c'est magnifique. J'ai l'impression que c'est du toit. Ouais, c'est génial. Bah, comme du bobsleigh, quoi. Ouais, parce qu'en fait, et au bout d'un moment, on a perdu un morceau de. On a perdu un morceau de bois. Grave. Mais je me dis, mais si on est tombé, tu vois, imagine, contre le bitume. Et c'est une belle émotion, Florian, vraiment. Et c'est, je suis très heureux. Genre, j'ai l'arme aux yeux parce que, regarde, on a marqué les 3 points, on a marqué les essais. On a marqué les essais. Est-ce que beaucoup sont arrivés? On va revoir votre. Votre résultat, votre exploit en caméra embarquée. Attention, regardez ça. Génial, Florian ! Ouais ! J'ai peur. Oui ! Ouais, Flo ! On a perdu un morceau de là ! On a perdu un morceau ! Un morceau de bois, c'est pas grave. Allez, c'est génial. C'est un rêve. C'est un rêve éveillé. Flo, j'ai peur. Ouais, Flo. Ouais. Et moi, ça du temps. C'est génial. J'ai des larmes aux yeux. Flo, t'es génial, j'ai peur. Flo, j'ai peur. De professionnels, hein, forcément, après la course. Qui d'autre que Sébastien Ogier, octuple champion du monde des rallyes, pour vous juger, messieurs. On l'écoute, il est au micro de Tiffany Henn. Magique, magique. La chorégraphie, c'était bien, la descente un peu moins, mais bon, la télé, en même temps, il faudra prendre un écran plat la prochaine fois. Pour l'aéro, là, la grosse télé à l'ancienne, ça avance pas. On n'était pas forcément convaincus avant le départ, donc bravo. On l'a fait, Yohan. On l'a fait. Oh, fantastique. On est arrivé au bout. Merci. C'était un grand bonheur. L'équipe, comme disait Thierry Roland. Après ça, on peut mourir tranquille le plus tard possible. Une émotion exceptionnelle, évidemment, parce qu'on commentait ces courses depuis des mois et des mois. Et là, d'y être dedans, c'est magnifique. Et avec tous ses concurrents, et c'est le podium. Alors, le podium, troisième place, qui félicite surtout la danse et la créativité, c'est la famille Adams. C'est Mars Attax, pardon. Mars Attax, ils sont pas arrivés au bout, au niveau de la course, mais par contre, c'est vrai que leur caisse était très jolie. Et regardez-moi ces sourires, mérité, ce bonheur. Ça récompense des semaines de travail, parce que ces caisses, il faut les fabriquer, on part de rien. Hein. Oui. C'est pas seulement de l'amusement, c'est également du travail, d'imaginer, de penser, de faire les bons schémas et les bons calculs pour l'aérodynamisme. Ariane Espace ou Ariane Space. Ariane Espace, ils étaient à côté de nous au paddock, très sympa cette équipe de jeunes adorable. Ingénieurs. Adorable. Eux, ils ont réussi aussi bien au niveau du look que de la performance, qu'ils ont fait un très bon temps. Et eux, c'est vraiment échec et mat, M-A-T-H-S. Bravo à eux. Les rois de la biodynamisme, du biodynamique, ils sont très 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 forts, très talentueux. Et qui va remporter cette course de caisse à savon aujourd'hui à Toulouse sur la chaîne L'Équipe? Qui va 12e marche du podium. Remporter ce trophée? L'équipe. Ils étaient 48 à batailler pour la décrocher. On a d'abord les Sérial Nosseurs. Vive le mariage! Vive l'amour! Vive l'engagement! Qui remporte la vive meilleure la note artistique. Et on va avoir ensuite les grands gagnants, Johan. On a hâte de les découvrir, franchement, parce qu'il y avait des candidats aussi extraordinaires les uns que les autres. Alors nous, on était hors compétition. De toute façon, on n'avait pas fait un temps pour gagner, il faut dire ce qui est. Mais on s'est amusé. C'était fou, c'était fou. Et là, on attend le verdict. Il paraît que la sardine de Marseille est la meilleure du monde. La merci d'accueillir l'équipe qui remporte la 5e édition de la course Red Bull Caisse à Savon. La sardinade. La sardinade qui remporte cette course de Caisse à Savon. Comme les poissons dans l'eau. Là, ils font maintenant partie des huiles. Et ça ne bouge pas la canne de bière, au contraire. Ah,
ils ont tout déboîté, les sardines. Bravo, bravo à elle, bravo à eux. Mais quel champion, on les a vus tout à l'heure, hein. Ils n'étaient pas parmi les favoris et ils ont déjoué les pronostics. Ils ont fait une très belle course avec une très belle caisse à savon, donc c'est mérité, rien à dire. Et c'était merveilleux. Et encore des Marseillais, jamais les premiers, Yon, jamais les oui, premiers. 93 de course, voilà. Bravo à la sardinade. Et puis ce parcours était magnifique avec cette descente, avec ce virage terrible juste avant l'arrivée, après les sauts de carpe, les sauts de lapin. Ah, c'était formidable et c'est mérité. Bravo à eux, bravo à tous les concurrents qui nous ont fait passer une belle après-midi à Toulouse. Et attention, si vous avez... Comment se termine notre magnifique journée de caisse à savon avec un petit morceau. C'est tout ce qui reste de la voiture. Oui. Quel bonheur, mais vraiment une émotion folle. Incroyable. Et ce public, tu rencontres, on n'a jamais fait quelque chose devant 10 000 personnes. J'ai l'impression d'être une rockstar alors que j'ai rien fait, quoi. J'ai juste tenu un volant. Quoi. Et s'il fallait refaire, on change quoi? Alors si on freine moins, on va tout droit, comme des déglingos. Vous avez dit de pas freiner. Mais non, mais alors, c'est mon pied qui s'est pris un peu sur le frein. J'avoue, bon, les tremplins, un peu freinage. Mais on est allé au bout. Et merci au concepteur Fernando hein, qui vraiment a construit cette caisse à savon avec amour, incroyable, amitié. Et France, la prochaine fois, c'est toi, France. Eh ben écoute, on va essayer. En tout cas, ce qui est sûr... On peut essayer. Ce qui est sûr, c'est que vous ne regarderez plus jamais les caisses à savon pareil, maintenant, c'est sûr. Maintenant, on sait vraiment de quoi on parle. Ah oui, avant, on n'y connaissait rien. Bon, on était une... voilà. Vous allez vous changer et on vous retrouvera très vite aux commentaires d'une prochaine caisse à savon. Salut à Toulouse.